Elles sont obligées de partager vos directs. C'est obligé. Ok. C'est obligé de partager vos directs. Lorsque quand tu ne parles pas avec quelqu'un, vous allez dans les réseaux sociaux. Quand vous venez, vous ne dites pas que vous êtes électron libre. Quand vous venez sur Facebook, vous ne dites pas que vous êtes électron libre. Une fois que vous avez la visibilité, vous commencez à dire que je suis électron libre. Quand vous créez vos pages, créez que électron libre. Ne vous accrochez pas sur les gens. Ne vous accrochez pas sur les gens. Vous vous accrochez, vous commencez à insulter les gens pour rien. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu insultes la personne qui t'a rien fait. Moi, je t'avais fait quoi? Toi, Balatala. Je t'avais fait quoi? L'année dernière, je t'ai pas répondu parce que je me suis dit que bon, vu et ignoré. Je t'avais fait quoi? J'ai appris que tu es en train de me défendre. Tu me défends pourquoi? Je n'ai pas besoin de défenseur sur Facebook. Hein. Quand j'avais besoin que tu sois à mes côtés, tu n'étais pas là. Monsieur, pourquoi tu me filmes? Oh! Quand j'avais besoin de toi à mes côtés, Balata, tu n'étais pas là. Je t'avais pris comme mon petit frère. J'étais adopté comme mon petit frère. Tu allais t'asseoir sur Facebook. Tu voulais la sympathie d'autres teams. Tu m'as jeté à la verdure populaire. Oh, vous allez, je vous ai toujours dit que moi, en dehors de Facebook, là, je suis une guerrière. Moi, je ne fais pas la guerre. La guerre des réseaux sociaux, pour moi, c'est un jeu. Parce que quand nous avons fait la guerre, là, il n'y avait pas Facebook. Nous nous sommes imposés au Gabon. Nous sommes rentrés au pays en bonne santé. Tu as venu voir un gars qui a fait l'aventure, qui était au Gabon, qui était en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, c'est pire. Les Gabonais même sont civilisés. À l'époque, là, les Guinéens n'étaient pas civilisés. Tu parles à un Guinéen, tu te debout même à parler en espagnol, tu parles enfant. Elle te dit que l'espagnol nous maintient d'eau. Elle dit qu'elle ne comprend pas l'espagnol. Les Guinéens, j'avais vu les gens qui sont complexés par les noirs comme les femmes blanches. Elles ont un complexe des noirs. Quand elles voient une femme noire, quelque part, elles regardent qu'elles sont comme si elles n'avaient jamais vu parce qu'elles n'ont rien sur elles. Les fesses, elles n'ont pas. C'est la chirurgie qui est venue sauver les femmes-ci. Hein? La chirurgie est venue sauver les ngawati. Les fesses, elles n'ont pas. Les seins, elles n'ont pas. Et quand elles voient une gars noir comme ça, avec les seins comme ça, bombés comme ça, elle dit que maman. Elle se pose des questions, c'est naturel ou c'est le faux? Maman, c'est le naturel. Mais oui, mon frère, c'est du naturel. Chez nous, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Dieu nous a tout donné. C'est pas peut-être parce qu'on vient dans votre pays, vous croyez qu'il y a quoi? Il y a quoi ici? La beauté de la femme, ça se trouve en Afrique. Regarde-moi celle-là. Les fesses, elles n'ont pas. Les seins, elles n'ont pas. Elles n'ont que les longs nez, là. Elle te regarde, elle te regarde. Passez votre chose, mon frère. Qui m'a dit, oui, ma soeur, il y a sur la croisette, s'il vous plaît. Oh, my God. Michel, bonjour. Michel Chou, bonjour. Moi, je Wanda sur l'engasi, mon frère. Elle se regarde, voici l'autre. Tu veux quelque chose? Elle se retourne. Elle te regarde. Maman, elles sont complexées jusqu'à. Et quand elle voit les filles noires, vous êtes acharné sur moi ici l'année dernière. On me dit que Balata prend ma défense. Balata, laisse le petit perdu la parler de moi. Laisse qu'il m'insulte. Moi, une comme moi, les injures ne me disent rien. J'ai affronté. Vous étiez tous contre moi l'année dernière. Vous étiez. Parce que quand j'ai dit que tout le monde est contre tout le monde, vous voulez que contre le nombre de personnes qui étaient contre moi l'année dernière, vous voulez que je contre le nombre de personnes qui étaient contre moi l'année dernière, vous m'avez vu un peu trop trébucher là. Je suis resté égal à moi, mais parce que vous voyez que moi l'aventure j'ai fait, nous sommes imposés à Libreville. À Libreville là, c'était la bagarre des Camerounais, les Camerounais. Renseignez-vous. Ils vous diront que la fille que vous voyez là, RFI, oh, un cas social. Ce n'est pas les histoires que vous faites là, qu'on fait la guerre du virtuel à distance là. Est-ce que la guerre, c'est que pour créer la guerre, il faut être forcé, la stratégie. Moi, je réunissais 100 femmes, 200 femmes comme ça, elles sont assises au carrefour. Il n'y a que moi qui parle, personne ne parle pas. Il y avait les supermarchés dedans. Il y avait les Nganou parmi les femmes là, les Nganou, les Mebe, les Maïtazen. Mais dès que moi, avec le petit corps, il portait 36, 35. Je me lève et parle, tout le monde ferme la bouche. Je ne sais pas les affaires qu'on parle là. Je n'avais pas la force. Mais c'est moi que j'avais mon spirit. Je me suis en sorti. Vous pouvez me faire une blessée de moi, je suis une blessée de guerre. Quand on dit les blessés de guerre, là, ce sont les moi là. Je suis parti jeune. Je suis mes parents, je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas les gens. Il y avait mon oncle là-bas, je ne partais même pas chez mon oncle. Je suis quitté de là, pape, je suis arrivé en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, les gens là sont encore sauvages. À l'époque, les Guinéens étaient encore sauvages. Tu parles à une Guinéenne, tu parles sur les gens. Vous qui partagez les photos des femmes nues dans les réseaux sociaux, vous avez vos enfants qui vous regardent. Quand vous envoyez la photo là comme ça, quand tu fais le geste envoyé, c'est pour ton enfant que tu as envoyé, c'est pour ta nièce que tu as envoyé, c'est pour ta cousine que tu as envoyé. Tu n'envoies pas seulement une femme. Tu commences à avoir une femme qui lave ses fesses le matin pour partager la photo d'une autre femme nue. Elle me dit que je suis écarteuse. Mais quand ta mère, quand vos mamans partaient vous approcher, écartez pas. Elles avaient les fesses fermées. Ce que j'ai fait là, c'est que tout le monde est fait dans les chambres. Vous êtes même plus pervers que moi.
Vous faites des choses encore plus pires que moi. Mais vous dénigrez, vous insultez pour rien. Parce que vous avez le plaisir d'insulter les gens. Parce que vous voulez montrer que vous êtes au sommet de vous. Vous êtes au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas bien. Vous avez cru me tuer. Hein? Vous avez cru me détruire. Mais franchement, j'ai dit l'année dernière, en fin d'année, que je bénis toutes ces personnes-là qui ont cru me détruire. Parce qu'elles m'ont fait du bien. J'ai la paix du cœur. Je suis bien. Je me sens à l'aise. Je n'ai pas quelque chose qui me dérange. Je ne souffre de rien. Je ne suis pas milliardaire. Mais ma petite vie me suffit. C'est le plus important. Je n'ai pas les grands immeubles. Je n'ai pas de Range Rover. Mais je suis en santé. Je mange bien. Je n'ai pas de soucis. Vous croyez que quoi? L'argent, c'est mort. Vous croyez que l'argent. Là, on dit à Maranté que l'argent dépasse. L'amour dépasse l'argent. Voilà le milliardaire nigérian là. Il est décédé. Il avait les banques partout. Un multimilliardaire. Il a eu crash avec les morts. Vous croyez que quoi? Là même, je porte encore un deuil sur ce que je t'avais fait. Toi, Waris. Quand tu voulais la visibilité, tu voulais la sympathie des d'autres teams. Tu m'as jeté la vie populaire pour une histoire qu'on pouvait discuter toi et moi. Tu es entré chez moi, tu as vu mon enfant, tu as dépanné mon enfant, moi-même tu m'as dépanné. Je suis entré chez toi, tu veux boire quelque chose? On part. Il est quelle heure? Hein? Non, on a encore le temps. Dans 30 minutes, on part. Toi, Waris, je t'ai pris comme mon frère. Oh, regarde-moi un peu. Non, le coca coûte trop cher ici, là. Tu as filmé, tu as vu le Carlton, tu as vu jusqu'au Martinez. Je ne suis pas allé jusqu'à le 25. Ah, lui, le magasin 27. Va le Carlton, là. Tu t'es filmé devant le Carlton. Hein? Mais pourquoi toi, tu n'aimes pas te filmer? Là, c'est un grand hôtel, hein, le Carlton. C'est là où viennent les stars. Rihanna, tous les stars américains. Là, c'est là, ils ont les suites là-bas. C'est un grand hôtel. Tu as filmé la plage? Il y a une île de l'autre côté là-bas. Voilà l'île. Quand tu regardes bien, tu vas voir l'île de l'autre côté. Là-bas, c'est Mandelieu. Là-bas, c'est Kanaboka. Moi, j'habitais derrière. Si j'avais le temps de monter où j'habitais, mais je ne veux pas, je suis fatigué. J'habitais juste derrière là. Avec ma copine. C'est ici que j'ai habité. Voilà le palais, voilà. Ça, c'est le palais de Stéphanie. Voilà la plage du palais de Stéphanie. Maman, regarde un peu là, tu m'as acheté un coca. Fantas, j'ai envie de boire. Je regarde dans les kiosques là. Il y a les kiosques là, non. Nous étions comme grande sœur et petite sœur. Tu es venu m'insulter sur Facebook. Tu n'as pas pensé à ta petite sœur Louise Gloria. Tu n'as pas pensé à elle. Tu n'as pas pensé qu'à un moment on a passé un bon moment ensemble. Tu es venu me verser sur Facebook. Tu avais fait quoi? Soit disant que j'ai parlé dans un direct que dans toutes les limites. On peut, quand on parle devant les caméras, on peut dire des choses que bon, voilà, ça vient comme ça sans toutefois y penser. Aujourd'hui, on me dit que j'ai envie de me défendre. Tu me défends comment? Ne me défends pas. Je n'ai pas besoin d'avocat dans les réseaux sociaux. J'ai mes lolomania. Mes lolomania me suffisent. Je ne veux pas. Les alliances machiavéliques, je ne veux pas. Laisse le petit morveux là m'insulter. Laisse qu'il m'insulte. Laisse qu'il dise tout sur moi. Ça ne va pas changer la personne que je suis. Ça ne va pas me laisser une cicatrice au corps. Ça ne va rien faire. Je suis habitué. Je dis que moi, je suis chef d'air depuis Libreville. Je veux dire que j'ai bien vécu. Pas de bonne guerre de faire que quelqu'un dépose à Kamaï les sucres. Moi, j'étais sur le terrain. Je manageais les femmes qui avaient la force de Nganou. Une femme, tu vois, comme elle vient du village. Tu vois, ses mollets sont comme les mollets de Serge Aurier. Ses muscles sont comme les muscles de Nganou. Mais je parle à la femme, là, elle baisse sa tête. Elle me dit que pardon, tata, pardon, Lolo, pardon, Lolo, pardon, Lolo. J'ai dit qu'on appelle ça le spirit. Moi, et moi, j'avais le spirit. Tu n'as pas besoin de bagarrer, c'est pas la bagarre qui résout quelque chose. Moi, je mange ton, je te fais un lavage de cerveau. Je te fais un lavage de cerveau à distance. Moi, je suis très proche pour ça. Donc, grande fille, vous croyez qu'en vous acharnant sur moi, en racontant vos histoires dormies debout, vos machins, c'est là, des alliances machiavéliques, vous croyez que ça va me gêner? Vous avez vu un jour trébuché pendant que vous étiez en train de faire vos micmac là. Je n'ai jamais trébuché. Jamais. Jamais. Donc toi tu vas maintenant me défendre, là, on me dit que tu me défends parce que le petit moribond là, qui passe son temps à insulter les mamans, insulter ses grandes soeurs, il rabaisse ses grandes soeurs. Mon petit, tu es arrivé en Beng. Arriver en Europe, ce n'est pas la finition. Être en Europe, c'est bien. Tu as Boza, tu es arrivé en Europe. Tout le monde peut Boza et arriver en Beng. Beng ne blase plus personne, mais c'est de réussir en Beng qui est le plus important. C'est d'avoir une stabilité en Beng qui est le plus important. Savoir des repères en Beng qui est le plus important. Ce n'est pas le fait d'arriver en bain. Tu arrives en bain, tu multiplies tes malédictions tous les jours. Tu as ton kaolo, tu dis que tu as ton... Oui, tu as eu ton kaolo. Mais qu'est-ce qui va devenir ta vie en Europe?
Va-tu trouver un foyer? Va-tu trouver un époux ou une épouse? Je ne sais pas de quelle orientation sexuelle tu es. Va-tu trouver un mari ou une femme? Est-ce que tu vas fonder une famille? Est-ce que tu ne vas pas te retrouver dans la rue en train de te droguer? Est-ce que tu vas pas... Tu sais qu'ici en Europe, tout peut basculer du jour au lendemain. Hein? En Europe, tu peux... J'ai vu notre jeune soeur qu'on appelait Michel là. Marie-Michel. Elle est venue ici bien portante. Elle a laissé sa famille au Cameroun. Elle est venue dans un mariage. Tout le monde était content que voilà une. Elle va nous sauver, elle va nous aider. Elle va se faire résoudre les problèmes de certains. Hein? Peut-être que c'était le Samuel, le truc de la famille. Mais elle est arrivée ici, tout a basculé. Elle s'est retrouvée dans la rue. Elle dort dans la rue. Pourquoi en spectacle, tu m'envoies ma nudité? C'est pour ta mère que tu as envoyé. C'est pour ta maman que tu as envoyé. C'est pas moi. Ce que tu as envoyé là, c'est dans le même trou là que tu es sorti. Tu as compris? C'est dans le même trou. Comment t'as donné, veuillez me donner. C'est dans le même trou là que tu es sorti. Et si tu vas être père un jour, la femme que tu vas enceinter va écarter et sortir le même trou là pour te donner un enfant. Je ne te maudis pas. Je ne suis pas Dieu pour te maudire. Je te souhaite seulement bonne chance. Et plus jamais dans ta vie. Moi, t'avais déjà dit non. Quand on ne m'appelle plus, je t'avais bloqué. Je t'avais bloqué sur ton moment. Je t'avais d'abord laissé. Parce que quand tu bloques, c'est comme si c'était un signe de faiblesse quoi. Quand tu bloques souvent quelqu'un, pourquoi laisse la personne là? Après que je me suis dit bon, je te bloque. Quand tu m'as envoyé cette nudité là, j'étais bloqué. Et tu venais m'écrire, je ne te répondais jamais. Oh tata Lolo, tu vois que tu as encore fait ton cinéma là avec moi. Tu es revenu encore et tu t'es bloqué. Tu es revenu avec m'appeler avec un autre numéro l'autre jour, j'étais en direct au restaurant avec ma fille. Tu as recommencé. C'est que tu as dit ce que tu n'as pas fait. Bon, vas-y, continue à insulter. Il y a ceux qui ont fait plus pire que toi. Je te souhaite bonne chance. Waris, ne me défends pas. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Donc laisse, on m'insulte. Laisse, on me rabaisse. Laisse, on dit tout ce qu'on me dit de moi. Je n'ai pas besoin d'avocat. Moi-même, je suis un conteneur. Mais les Lomaniens sont là avec moi. J'ai cette chance d'avoir une team. J'ai réussi à avoir une team dans les réseaux sociaux. Ne croyez pas que... Parce que j'ai entendu une personne a dit que... Tu laisses les gens venir parler de moi. Si je fais autant pour toi, tu seras content. Fais-le avec une personne. Non, quand vous voulez jouer à ces jeux, sortez de vos faux profils. Parce que quand on vous découvre, vous ne voulez plus, vous dites que vous ne clashez plus. Quand on vous découvre, vous dites que vous ne clashez plus. Mais quand vous êtes dans le noir, vous faites du sale. Vous faites du sale. Mais une fois qu'on vous découvre, vous dites que vous êtes devenu les Jésus, les sango pasto. On a monté des vidéos ici. Jamais j'ai fait allusion. Je n'ai pas cherché à savoir si c'est toi ou ce n'est pas toi. Moi, ça ne m'intéresse pas. On peut aimer quelqu'un dans le noir, de par sa voix, de par son comportement, de par sa façon de faire, de par son. Voilà. On n'a pas. C'est pas toujours obligé de voir quelqu'un pour l'aimer. On peut aimer quelqu'un virtuellement, même dans le noir, à travers sa voix, à travers son comportement. Moi, c'est quelqu'un que j'appréciais bien. La première fois que tu m'as enregistré, tu as mis sur les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est pas grave, c'est le game. Lorsque j'étais passé dans ton direct, tu as laissé les gens me juger. Alors que jamais. Même depuis que tu t'es séparé du pasteur supérieur, de comment moquer mon frère, mon petit frère, je ne me suis jamais mêlé dans votre histoire. J'ai toujours prôné la paix. Dès que ce soit même du côté d'Angelo Black, Angelo Show, j'ai toujours prôné la paix entre vous parce que vous étiez un trio que j'aimais. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne atmosphère dans l'église. Du moment quand vous vous êtes séparés, ça m'a beaucoup affecté parce que j'aimais vous voir ensemble. Mais chacun a décidé de rester dans son coin. Alors je ne vois pas pourquoi je vais insister. Tu crois que je serais content alors que je n'ai pas un point avec toi? Non, je ne serais pas content. Il faut éviter ce genre de choses. Vous dites que vous voulez la paix dans les réseaux sociaux. Vous ne voulez plus les guerres entre les blogueuses. Mais vous prenez la haine. Vous prenez la guerre. Parce que quand tu les gens venir sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu crées quelque chose. Si tu es parti soutenir, aujourd'hui tu es déjà. Parce que vous êtes tous bipolaires, quoi. Vous êtes tous. Personne n'a de personnalité dans les réseaux sociaux. Vous dites qu'on a de la personnalité. Vous êtes tous. Nous sommes tous pareils, quoi. Nous sommes tous pareils. Parce que quand je vous vois faire, je dis, mais c'est quoi ça? De un, il y a une fille qui est venue te dire que c'est l'autre blogueuse là qui m'a fabriqué. Je dis encore qu'elle ne m'a jamais fabriqué. La seule personne qui m'a fabriqué sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu et mes parents. Mais Dieu et mes parents, personne ne m'a jamais fabriqué. Je dis que celui qui m'a fabriqué sur cette terre, c'est Dieu et mes parents, mon père et ma mère. Bon, tu ne fabriqué là, je ne connais pas ça. Personne ne dit que c'est ma guerre entre eux. Simon de Londres et sa ex-copine, son ex-patronne ou son ex-copine, son ex-consoeur qui a fait en sorte qu'on me connaisse en Facebook. Et ils ont, l'autre team l'a voulu, ils ont eu besoin de mon appui pour venir au renfort. Je suis entré au renfort, j'ai fait 2 mois avec ces gens-là, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. On ne fabrique pas quelqu'un en 2 mois, il te faut du temps.
Mais moi, j'ai montré mon efficacité dans les réseaux sociaux. Donc, ne dites plus jamais ça. Laissez-moi tranquille. Je suis perdu. La femme a toujours besoin d'un homme à qui elle peut se confier, qui peut apporter des conseils. Homme, ce n'est pas seulement genre sexuel. Même un ami, homme, avec qui, à qui tu peux te confier. Je ne croyais pas que tu étais là pour nous. Mais laissez les gens venir dans ton direct parce que vous avez besoin qu'on parle de Lolo. Non. Moi, je me permettais jamais de parler de toi. Je n'étais jamais jugé, même quand tu as eu les paroles, le pasteur. Même aujourd'hui, je souhaite toujours qu'il y ait réconciliation. Mais chacun a décidé de prendre son coin. Et je respecte ça. Voilà. Je ne veux pas que vous vous chamaillez. C'est ça qui m'affecte. Et. Ouais, venez commenter ici sur Aka Ouvert sinon. Je ne vois pas vos commentaires. Ouais. Venez commenter ici, Aka Ouvert avec le sang. Sans l'accent là. Je vous dis que. Les réseaux sociaux que vous voyez là, ça détruit l'homme. On m'a dit qu'il y a une blogueuse qui a eu un malaise en direct. Faites très attention. Les blogueuses, les réseaux sociaux là, ça détruit l'homme. Ça détruit l'homme. Nous sommes exposés. Faites attention à vous. Parce que tu peux te retrouver comme ça tout, en plein live, tu meurs. On va te pleurer, on va t'oublier comme on a oublié Arafat. Comme on a oublié mon ami Poupé Didier. Comme on a oublié beaucoup de personnes qui sont décédées à la ligne, on a oublié Kabren Nandip. On va oublier. Parfois, il faut prendre quand tu portes le même éloge, c'est un respect. Elle m'a montré sa fidélité, elle était là pour moi, elle m'a soutenu. Des personnes qui m'ont soutenu dans les réseaux sociaux l'année dernière, je ne me mettrai jamais en spectacle avec ces gens-là. Jamais de la vie. Quoi qu'on dise, je ne vais jamais me mettre en spectacle avec ceux-là parce que c'était le moment où mes lolomaniens étaient très affectés. Mais c'est impatient. J'ai vu les femmes pleurer comme ma soeur, Patou. Elle a pleuré plusieurs fois dans mon inbox. Elle m'appelait, pleurait, elle était mal. J'ai vu des mamans m'appeler, qui dit ma fille, comment tu fais? J'ai vu des femmes qui m'appelaient, gênées pour moi. J'ai vu des femmes qui m'appelaient, filles, les jeunes filles, tata, tu as besoin de quelque chose? Je suis maman, tu peux t'envoyer quelque chose? Ouais, sois forte. Vous êtes là pour moi. Je ne peux pas me mettre en spectacle pour quelqu'un qui m'a soutenu dans des moments difficiles. Je ne peux pas. Je ne ferai jamais ça. Je serre le cœur. Mais j'ai décidé que cette année-ci, ça sera une année où je vais vivre dans le calme, dans le calmine. Je ne vais pas me faire, je ne vais pas me chamailler avec une blogueuse. Je ne vais pas me chamailler avec quelqu'un. Je suis en paix avec moi-même. Et je souhaite le bonheur à toutes ces blogueuses-là. Que nous puissions avancer. Avancer, ce n'est pas seulement, même dans le blog, tu peux faire des choses. Tu peux t'amuser avec tes followers, on peut créer des concepts. Mais à chaque fois, venir prendre les problèmes des gens. Comme cette blogueuse qu'on dit qu'elle est tombée là. Qu'elle a eu un malaise en direct. Et dès début avril. Janvier, février, un mois, février, mars, avril, mai. C'était 2 mois et demi. Je suis retourné à la maison. On n'a jamais fait. Nous n'avons jamais fait. C'était la seule fois qu'on s'est séparés. Le reste des fois, nous avons toujours vécu ensemble. C'est que la mère de son enfant, que j'appelle Marie Travelot, vient te raconter. C'est des bobards, c'est des conneries. Si tu veux, un jour, je vais te raconter mon histoire avec cet homme-là. Mais par respect pour le lien que nous avons ensemble, qui est Luz Gloria, je ne peux pas me taire, vous laisser raconter des mensonges. Comme soit disant, tu as dit qu'il est parti de la maison. Il n'est jamais parti de la maison. Jamais. C'était une décision personnelle. C'était une décision personnelle. J'ai dit non. Parce que je me suis dit, bientôt j'aurai 50 ans. Si je continue à vivre avec 50 ans, avec un homme qui est irresponsable, un homme qui ne sait pas respecter la femme, qui commet des... Et puis, je ne vais pas vous mentir que cet homme est aussi malheureux. Moi, j'aime dire la vérité. J'aime dire la vérité parce que ça va aider beaucoup de personnes. Ne vivez pas ensemble pour les gens. À la fin, on vivait déjà ensemble pour les gens. Il n'y avait plus d'amour. L'autre trompait. Il ne m'a pas trompé plus que moi. Moi, je l'ai trompé correctement et bien. Ah oui, c'est une vérité. Je n'ai pas honte, je vous dis ça. Je le dis. Allez mettre ça partout où vous voulez, je m'en fous. Je l'ai trompé parce que je ne me sentais plus bien. Mais pour le regard des gens, pour les candidats, pour les enfants, pour l'enfant, parfois tu as oublié de supporter. Tu oublies d'être là parce que et la personne aussi en souffre. C'est la femme qui vieillit. Je vais me retrouver là peut-être à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Lui va rester, je n'ai pas aller épouser une fille au Cameroun. Quel est l'homme qui va te prendre bien si tu n'as pas l'argent? L'homme qui va venir te prendre étant vieille, c'est parce qu'un jeune gars, il va rester de vivre avec toi parce qu'il est derrière toi parce que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, il va t'aimer comment? Il ne va pas t'aimer, c'est impossible, c'est faux. Il n'y aura pas d'amour.
L'amour là, c'est sûr. Quand tu as déjà un certain âge avancé et que tu sois avec un homme qui est moins âgé que toi, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui vous lie. Ce n'est pas de l'amour. Il y a des caras, mais la plupart, c'est l'intérêt. Donc quand tu vois ça, tu te dis que bon, pourquoi ne pas me séparer de cette personne et puis chacun fait sa vie. Je suis resté calme. Vous avez vociféré, vous avez bavardé, vous avez vu m'agiter parce que j'étais soulagé. C'était une étape difficile. Je ne savais pas comment je vais commencer à traverser cette étape-là. Je pensais à tout. Il m'arrivait des moments, ce n'était pas la première fois. Au mois de mai, j'avais décidé que ça devait être, cette séparation devait avoir lieu au mois de mai. C'est parce qu'après, je me suis... j'ai dit, bon, si je fais ça, les gens vont me juger, les gens vont dire ceci, mais les Lorrains ne seront pas contentes, mais les Lorrains ne seront pas d'accord, les Lorrains vont dire ceci. J'étais obligé de me rétracter encore. Mais dès que lui-même il a fait, je l'ai poussé à le faire. Il a fait. J'ai dit, bon, maintenant, stop. Il vit sa petite vie. Qu'il est heureux là-bas, bien, c'est une bonne chose. Mais ne cherche pas à venir raconter des histoires qui n'existent pas. Ne même pas raconter que c'était un couple vivant. Les filles font ici à dehors. C'est de faire venir leur enfant. Donc moi, je vais trouver une fille qui est en Europe depuis 1999. Il n'y avait pas encore les zéros. Depuis 1999, je vais laisser. Moi, je suis arrivé en 2008. Donc je vais laisser. Moi, je suis arrivé en 2008. Donc il avait bien un John Bing. C'est moi qui vais venir porter, qui va venir faire venir son enfant. Donc, vous entendez souvent parler. Mais vous entendez souvent parler. Donc, je ne vais pas faire venir mon petit frère. Ou venir faire venir même mon neveu. Je vais faire venir l'enfant d'un gars que je n'ai même pas épousé. Avec qui on n'a même pas le lien de sang. Vous entendez souvent parler. Vous avez vu ça où? Non. Tu peux juste conseiller l'homme que fait venir tes enfants. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Même quand les petits-enfants sont nés. J'ai dit que non, comme les enfants, ça n'a pas marché avec les enfants. Fais venir les petits-enfants. Gloria est assez grande, elle va accompagner ses petits soeurs à l'école. Je l'ai fait, bonjour Bernard. Je l'ai fait. Dieu m'est témoin, je n'ai pas la place en face de moi. Dieu m'est témoin. Même la mère de cet enfant, je l'ai rencontrée au Château Rouge. L'année dernière, elle dit que ma, il y a les réseaux pour faire entrer les mounas. Fais venir tes petites filles là. Et ne fais plus la guerre avec le père de l'enfant parce que les enfants sont là pour diviser les parents. Essayez de vous entendre. Tu trouves les moyens, nous tous on va compléter. On peut venir d'abord la petite qui avait donné mon nom. Tu dis que non, ne m'aimait pas. Et sa fille, tu veux que tu montres l'acte de ça où il y a mon nom là. Tu veux que je te montre l'acte de naissance, qu'ils ont mis mon nom, j'étais même pas au courant que la première petite fille portait mon nom, Laure Abigail. Tu veux que je te montre ça? C'est une surprise qu'ils m'avaient faite. Donc, pour te dire que j'ai dit que non, il faut qu'on se batte. J'ai vu cette fille, elle dit que maman, ben, c'est moi qui l'amène. Je suis fier parce qu'il a le chez lui. Il a un permis de conduire. Il a un salaire tous les mois. Il a un CDI. Sa vie assurée. Il s'occupe bien de ses enfants. Pourquoi tu veux te mêler d'une histoire que tu ne connais pas? Dis à ta soeur que quand on aime un homme, on laisse l'homme, on doit vivre avec. Voici où j'habitais, hein, ici, à Cannes. Je ne manquais de rien quand j'habitais ici. J'ai décidé, quand j'ai connu ce gars, j'habitais avec un gars ivoirien. J'habitais chez un homme ivoirien. Il quittait les nogents humaines pour venir prendre la nourriture dans la gamelle. Dans la gamelle, comme ça, pour aller manger. La nourriture était le tapioca avec l'arachide. Son ami norvégien vivant, je ne manque pas. Je préparais tous les jours, je mettais la nourriture dans la gamelle. Chez mon gars, il voyait que va manger. Parce qu'il vivait seul. Parce que vous voulez tout que je me mette à insulter. Je ne peux pas insulter cet homme-là. Parce qu'il a beaucoup fait pour moi dans la vie. Il a été là pour moi. Enfin, il y a les mois, ça m'énerve. J'ai envie de dire un peu de mots durs sur lui, mais c'est pas bien. Il a beaucoup fait pour moi dans la vie. Il m'a beaucoup soutenu. Il m'a pris. Je n'avais pas les carolos. Il y a des moments où j'avais besoin d'un document administratif. C'est lui qui me donnait ça. Il m'a beaucoup aidé. Il a été là pour moi dans les moments difficiles. Ne cherchez pas à mettre la haine entre lui et moi. Où il est là-bas, s'il est heureux, je suis contente pour lui. Le jour qu'il s'est marié, il m'invite, je vais venir au mariage avec sa fille. Je viendrai, je vais même participer. Ne venez pas mettre la haine entre nous. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus entre nous. On se faisait du mal. Je l'ai beaucoup soutenu. Il sait. Il ne peut pas te dire de m'insulter. Il ne peut pas te dire ça. Je t'ai dit que dis à ta soeur, Marie Travelo, qu'elle quitte le blanc, elle passe à soi avec lui, ils font une vie. Ensemble même, ils se marient, ils peuvent même faire le regroupement familial, les petits-enfants là hantent. Moi, je veux le bonheur de ces enfants là, même de ces enfants, ces deux garçons. Parce qu'il a deux fils, il n'a pas un, il a deux. Je veux le bonheur de ces enfants, parce qu'il est aussi là pour ma fille. Donc arrêtez un peu. On m'a dit qu'elle a eu le malaise. Et ça, on a dit qu'elle est King Kong. On a dit qu'elle a fait, elle a bougé la toile. La toile est une ébullition. Oh, machin. Pour les affaires de quoi? Pour les évacuer de terre. Quelqu'un avec qui tu étais hier, tu es venu mettre la médie populaire. Pourquoi?
On vous encourage dans la bêtise, ma soeur. Prends du recul, soigne-toi. Moi, malgré tout ce qu'on peut avoir, je ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un ou la mort de quelqu'un. Comme toi, tu as toujours souhaité qu'on m'envoie en prison. Non. Je n'ai pas ce cœur-là. Je ne vais pas devenir toi parce que je vais me venger. Non. Bon rétablissement. Que tu retrouves ta santé. C'est le plus important. C'est quand tu bois la même monnaie que la buvette. La tension, c'est une très mauvaise maladie. Hein. C'est une très mauvaise maladie. Quand tu as déjà ça, il faut faire attention. Même avec les. Il faut éviter d'être en colère. C'est quoi l'amitié pour ça, les réseaux sociaux? Pourquoi vous voulez forcer? Si l'amitié ne marche et puis chacun prend sa route, il y a quoi? Chacun prend sa route, chacun ses followers, non? Quand vous voulez vous agripper sur les followers des gens, restez avec votre team. On a vu Coach Amonchik ici. Coach Amonchik a commencé avec combien de personnes? Coach Amonchik, je l'ai vu commencer, pas comme moi, je ne vais pas mentir. Coach Amonchik, il y avait 50 personnes, il y avait 30 personnes, il y avait 20 personnes. Mais elle a su se battre, elle a su travailler, elle a travaillé. Aujourd'hui, elle est une influenceuse incontournable dans le monde, dans les réseaux sociaux. Elle est incontournable. C'est une femme qui a fait ses preuves. C'est l'émission qu'elle fait là, c'est une émission que je faisais. C'est une émission de Tata Lolo. C'est mon émission. Mais elle a su faire. Elle a su faire pour elle. Et ça a donné. On ne peut que l'encourager, on ne peut que dire félicitations. Pourquoi on va l'en vouloir? Pourquoi on va la jalouser? Nous sommes les blogueurs camerounais, votre seul lance sur télévision. Vous insultez, vous appelez les gens, les invités, ne partez pas. Oh, ne partez pas. Oh, machin. Vous caricaturez les invités. Bref, ça, c'est le game. Je ne vais pas me plaindre là-dessus. C'est comme ça. C'est le game. Ça, je ne sais que je ne peux plus voir les points avec vous. Mais si je ne peux pas avec vous, là, vous allez encore m'avoir dans quoi. Faites vos vies. Hein? Vous caricaturez la personne. Vous caricaturez l'invité. Oh, ceci, c'est là. Hein? Vous insultez les invités. Alors que c'est un truc qui peut nous servir à nous tous. Ça peut nous aider. Ça peut aider tout le monde. La télé, là, ça peut aider tout le monde. On peut jurer que je ne vais jamais parler avec quelqu'un. Bon, parce que quand tu es dans la colère, tu jures que je ne vais jamais parler avec cette personne. C'est la colère. Mais après, surtout que nous, les Africains, nous sommes trop émotifs. Non, voilà. On peut se fâcher pour un. Le papa des jumelles. Je t'ai vu l'autre jour en direct. Tu as framponné un peu. Oui, c'est ça que je veux. C'est framponne. Tu as framponné un peu. J'ai senti que, hey, maman, à un moment donné, vu comment, comme tu as mis la clé sur la voiture, tu as accéléré, tu as démarré. Après, j'ai vu que tu as accéléré un peu. J'ai dit que hey, le type, si, ça n'a pas allé. Hein. Après, bon, c'est ça. Ça va venir avec le temps. Vous allez vous mettre au carrefour. Mais vous venez mettre vos festivals, vous voulez que les gens. Moi, je ne suis pas le sapeur-pompier de quelqu'un, mon frère. Tuez-vous là-bas, ça vous regarde. Tuez-vous. Il faut réfléchir avant de faire des choses. Papa dit que Lolo c'est une peureuse. Ce n'est pas une peureuse. C'est que je prends le temps avant d'agir. Et mais Lolo Mania, n'oubliez pas que nous allons reprendre les émissions. Je dois reprendre les émissions. Il me faut les fauteuils. Hein. Merci aux personnes qui ont déjà cotisé pour les fauteuils. Je ne venais pas mettre un PayPal parce que les histoires de PayPal là, pardon. Celui qui veut me contacte. Là pour le moment, je suis un joueur sur WhatsApp parce que. Ça va? Ça me belle. Tu vas bien? Ça va. Vous venez d'où? Ça se dit au mot de femme. Je suis sénégalais? Ouais. Nangadef? Ça va. Oh. Ça se dit au mot de femme? Non, j'ai les lunettes aux yeux. J'ai les lunettes. Mais c'est pas les mêmes? Non, je veux pas d'autres. Les petits chapeaux? Non, ça me suffit. Moi, tu as pris, hein? Les chapeaux? Ouais. Non, j'ai trop de chapeaux. Mais les moins chers. Quoi, 23? 12h23. Tu es sérieux? Tu veux une paire pour lui? Non, elle ne veut pas. J'aime pas les lunettes. Hein? J'aime pas les lunettes. Le chapeau, comment tu payes le chapeau? Ouais, mon père, je ne veux pas le chapeau bête, pardon. Mais les moins chers. Ouais, je ne veux pas le chapeau. Bon, mes frères et sœurs, je vous aime, je vous adore. Restons dans la paix. Restons dans l'amour. Restons en paix. Les problèmes ne servent à rien. Je vais aussi dire, je ne vais pas finir mon live sans dire à Geneviève Gontamak, ma marraine de cœur. Sois forte. Sois forte, Geneviève. Tu es une très belle personne. Il y a les gens qui croient quand je viens chez toi à Monaco, c'est peut-être parce que je viens parce que tu me donnes trop d'argent. Je viens parce que je suis là par un intérêt. Non. Je viens te voir parce que tu es une très belle personne. Quand je suis avec toi, je me sens bien. C'est comme si j'étais avec un membre de ma famille. Tu as une belle âme. Tu sais aimer, tu sais donner. Tu donnes des bons conseils. Vraiment, sois forte. Ce qui t'arrive en ce moment, c'est pas facile. Sois forte.
c'est pas facile. Sois très forte. Mes mains sont les miennes. Je partage ta douleur. Tiens bon. Tiens bon. J'ai très mal. Très mal. Mais bon. C'est Dieu qui décide. On n'y peut rien. Voilà. Beaucoup de force à toi. Amel Lolomania, à la team Tata Lolo TV, vraiment, comme je dis toujours, vous êtes mes sponsors. Je ne compte que sur vous. Pour les fauteuils de notre Tata Lolo TV. J'ai regardé sur internet, j'ai vu le prix des fauteuils. Ça va pas, ça, c'est moins de 1000 euros. Je peux les acheter moi-même, mais c'est une télévision qu'on fait ensemble, donc j'ai besoin de vous. Donc celle qui, je ne suis pas joignable sur WhatsApp, je serai joignable à partir de demain soir. Mais vous pouvez me répondre, à partir de demain midi. Mais vous pouvez m'avoir sur ma ligne directe au 0033 766 29 22 01. Beaucoup de courage à tous mes Lolomaniens qui sont connectés du côté de Tata Lolo TV, Lolo Gloria, mon étoile Carole Bowen, la reine mère de Lolomaniens, Julien Zombie, tout le monde. Cindy Force Force, Peace Peace, Lolo Hélène, Barante de Cribi, Gloria Louise, Lolo vous dépasse, Lolo la puissance, oh la rue. Tous les Lolomaniens qui sont en Allemagne, les sympathisants, je serai à la soirée de Guy Parker parce que je vais aller soutenir mon frère Guy Parker et mes deux artistes. Hein? Regarde un peu. J'ai deux artistes que j'adore, Coco Argenté et Samy Dico qui chante pour les femmes. J'adore Samy Dico, donc bientôt je serai à Francfort. À Francfort, le mois prochain je serai là-bas. N'oubliez pas que le 8 mars, nous serons du côté de à Venise, non, avec Gisèle Bengue, avec Petit Pays. Je serai là-bas avec Patricia, Nana, ma soeur chérie. Je serai aussi, n'oubliez pas l'application TapTap, c'est avec mon code promo, Lolo 237, vous avez 5 euros de plus. Je vais devoir vous laisser parce que là, on va partir. Maman, on part, non? Voilà. Elle a profité de Cannes, elle a profité de Monaco. Maintenant, on va profiter de Nice aussi. Puis, je vais te débloquer, moi, je vais te débloquer tout le monde. Je vais te débloquer. Président Amoda dit que c'est mode de déblocage. Maman, Facebook, c'est le cardio. Je vais rentrer, on va faire le concert, je dis ça. Les SP, les SP. Vraiment, voilà. Moi j'aime trop faire, vous voyez, ça me fait souvent rire jusqu'à. Les SP, les SP, les batontons, les batata, les batata lolo, les tata lolo. Ce n'est plus pipito. Ce n'est plus Facebook là. Vous êtes bipolaire. Coco Kwetu, I love you. Ren Biaï, je t'adore. Allez.